Salut tout le monde! Comme vous avez pu voir sur les... J'ai posté la dernière fois que j'étais allé à la pêche. J'ai eu une super bonne pêche. Puis je voulais faire une petite vidéo pour expliquer aux gens qu'est-ce que j'ai fait avec mes poissons. Les premières fois que j'étais allé pêcher, les deux premières fois, j'en avais pogné juste un poisson. Puis comme la plupart des gens savent, on était dans un resort. Donc juste un poisson, on l'a amené. Puis ils nous l'ont cuisiné. Mais là, on déménageait le lendemain pour s'en venir ici, dans une belle petite place, une petite communauté vraiment isolée, la baie de Banderas. Puis, mais la veille, j'ai pogné 7 poissons, qui est 5 Jack Crevalle, puis on les appelle ici des taureaux, un pompano, puis un Red Snapper. Fait que dans le fond, on veut pas pêcher juste pour pêcher, pour faire du mal aux animaux, on veut vraiment pêcher pour se nourrir. Nourrir des gens importants. C'est ça. Puis c'était un peu trop pour ramener aussi. Puis tout. Fait on a eu l'idée, on a dit, on va le donner à l'orphelinat. Quand j'ai fini la journée de pêche avec le capitaine, j'étais avec un de mes amis que j'avais amené avec moi, Florentino, un ami que j'ai rencontré ici. Bien, j'ai demandé au capitaine, j'ai dit, est-ce que je peux amener les poissons à l'orphelinat? Puis là, c'est lui qui a fait les appels, tout, super fin de capitaine, Chalan, il s'appelle encore. Là, lui a fait les démarches. Tout de suite, quand on est parti, on a ramassé les poissons. On a embarqué dans la boîte de son pick-up. Il y avait un petit pick-up. On a embarqué dans la boîte du pick-up. On est allé à l'orphelinat. Puis quand on est arrivé là, tous les enfants, ils ont sorti. Puis genre, waouh, pour eux autres, c'était genre, c'était fou juste de voir leur sourire. Là, moi, ça m'a donné des frissons. Genre, c'était comme, c'était vraiment. Oui, puis ils ont dit. Ah, oh, on va voir. Non, il regardait les poissons, il disait mucho carne. Ça veut dire beaucoup de viande. Puis il était comme, on va avoir un bon souper. Genre. Il était vraiment, vraiment, vraiment content. Fait que ça a été. Puis juste de partager avec la communauté, c'est fou des fois comment que ça peut nous amener genre un sentiment de bien-être, je dirais. Ouais, genre. L'accomplissement. Oui. Pour donner au prochain. Ouais. C'est ce qu'on aime. Fait que c'était vraiment le fun. Puis on voulait le partager avec vous, vous dire un peu comment... Ouais. Comment c'était le fun d'aller donner ça. Ben non, mais fun, aussi, ouais. Je trouvais ça important d'éclairer sur le fait que, tu sais, oui, mon chum pêche, mais tu sais, je prends quand même des valeurs du yoga, donc ouais. Des valeurs d'union, de non-violence, de paix. Fait que je trouvais ça important de faire le point sur le fait que, ben, on pêche pas juste pour le plaisir de pêcher puis de tuer les animaux. Plaisir de tuer, ouais. Mais bien pour se nourrir, parce qu'en ce moment, notre alimentation, ben, on inclut du poisson, des fruits de mer, puis des légumes, etc. Mais. J'ai coupé la viande. On le fait. J'avais pas le choix vraiment ici. On le fait en conscience. Ouais. Puis on le fait pas par pur plaisir. Ouais. Même chose quand on était au resort, j'ai amené les mahi-mahi, ils étaient vraiment gros. À chaque fois, on a partagé avec des gens qu'on a rencontrés là-bas. Puis j'en ai donné même aussi aux gens de la cuisine. Ouais. On leur amenait toujours aux gens de la cuisine ou des serveurs qui nous ont servi. C'est toujours les mêmes personnes qui servent quasiment tous les jours. Ouais. Donc, ou les langoustes que tu as pêchées. Les langoustes, la même chose aussi. Ouais. On a partagé, ils l'ont amené sur la plage, on a partagé avec les gens. Puis on a laissé... quand on l'a ramené pour que les gens de la cuisine aussi... Oui, parce que c'est pas quelque chose qu'ils mangent souvent quand même de la langouste qu'ils nous expliquent. Non, parce que c'est, pour eux, c'est vraiment cher l'acheter. Puis c'est pas facile aussi, pas facile à attraper. Ouais. Je l'ai vu comment c'était pas facile. Merci à Florentino, mon ami, qui est avec moi, qui les a quasiment tout attrapé. Joe en a attrapé un sur 7. Il a attrapé une sur 7, mais il a donné les autres. J'ai perdu deux, mais ça fait partie de... Ça fait partie de la pratique, mais c'est meilleur. On va aller en chercher d'autres ici. C'est ce qui conclut notre vidéo. Ouais. De la semaine. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres questions. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous partager nos moments, notre semaine. Je sais pas, quelque chose de marquant. Donc, on est encore ici à la nouvelle place qu'on a aménagée pour une autre 6 semaines. Donc, on va essayer de vous... On aimerait ça vous faire un vidéo par semaine. Ouais. Minimum. Il faut qu'on profite de la plage aussi. Arrête-toi, on profite de la plage, mec. Mais tu vois, là, moi, je m'en vais travailler, puis Joe va rester à la plage. Ouais. J'ai amené mon stock de plongée. Je vais aller dans l'eau un petit peu, essayer de ramener quelque chose pour le souper. Ouais. Fait que bye, tout le monde! Bye-bye!